Madagascar, des centres de formation professionnelle proposent aux jeunes vulnérables un enseignement et un accompagnement efficace vers le monde du travail. La pédagogie proposée est le fruit d'une longue expérience du réseau salésien de Don Bosco. Vous voyez, ce matin, on boit du lait pour nous donner des forces pour aller travailler comme ça. Et ce qui m'attire vraiment dans cet établissement, d'abord, quand j'étais au collège, les gens me disaient qu'est-ce que tu vas faire après quand tu auras ton diplôme de BEPC. Bon, je dis à mon père, pourquoi je ne ferais pas l'enseignement technique? Et mon père me disait, bon, pourquoi tu n'iras pas au centre Don Bosco? Les profs sont vraiment très dynamiques. Les jeunes viennent ici à Don Bosco pour étudier, pour former au travail, au métier. Les filières à Don Bosco, maintenant, nous en avons 6. Dans le génie civil, il y a les 3 filières, l'ouvrage bois. Ce qu'on étudie maintenant, tous les métiers du bois. Il y a aussi la filière bâtiments et travaux publics, ce qui s'occupe des constructions, réparation des briques, des parpaings, etc. Il y a aussi la filière de l'ouvrage métallique, pour être un soudeur, etc. C'est comme ça. Hein. Il y a ce qu'on appelle le génie industriel. Il y en a 3. La fabrication mécanique. Il y a aussi l'électromécanique. Il y a le froid et climatisation. Ce sont les 6 filières qui existent au centre Don Bosco maintenant. Quand on dit fabrication mécanique, les gens entendent le mot mécanique et ils pensent que nous sommes des mécaniciens automobiles. Mais non, on n'est pas des mécaniciens automobiles, mais nous, on fabrique des pièces qui, par rapport à la mécanique, que ce soit des automobiles, des bateaux, des motos, nous, on fabrique toutes les pièces. Et ici, au Don Bosco, on fait la formation théorique et la pratique en même temps. Pourquoi ? Parce que pour éviter que les jeunes soient oubliés la leçon théorique qu'on a fait à la salle de classe. Donc on a directement pratiqué à l'atelier. Au centre Don Bosco, il y a maintenant 345 élèves à peu près. Hein. Nous prenons les jeunes à partir de 16 ans hein, jusqu'à 22 ans à peu près. Mais la plupart, ils arrivent à la fin de formation. Après 3 ans, bon, je pense que je vais d'abord aller à l'université pour que je sois ingénieur après. Et après, je pense, moi, je vais travailler dans des grands bateaux comme ça pour être tourneur, agitateur ou fraiseur. Disons que ma formation pour les jeunes, c'est difficile maintenant parce que il y a aussi l'évolution de la technologie, de la vie sociale qui est très, très difficile. Parce que maintenant, à Mazanga, c'est difficile de trouver l'emploi et on cherche de collaborer avec les entreprises alentour. Et nous avons accepté de collaborer avec quelques centres de formation, et entre autres Don Bosco, parce que nous avons besoin des jeunes, et de leur côté aussi, eux, ils ont besoin des pratiques. Et chaque année, on accepte de recevoir une dizaine. À la fin du stage,
on propose d'abord un contrat saisonnier, parce que chez nous, il y a deux saisons, saison de pêche et saison de carénage. Donc on propose un contrat de 9 mois d'abord, et au fur et à mesure, on prolonge le contrat sous d'autres formes. Contrat durée déterminée, après contrat durée déterminée. Et on n'a jamais rencontré des jeunes Don Bosco qui sont appréhendés en train de voler, non, non. Donc c'est ça, c'est cette qualité-là, c'est cette intégrité-là, ce sont des gens intègres, honnêtes, on peut dire comme ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de des conditions des stages. Don Bosco Madagascar a eu l'idée de faire le suivi post-formation, c'est-à-dire même après la formation, après avoir inséré les jeunes dans les entreprises, on fait les suivis pendant les 2 années qui suivent. Pourquoi ? Pour voir si jamais il y a des défaillances par rapport aux jeunes et le travail qu'il a au niveau technique. Comme ça, on peut faire un renforcement des capacités pour que le jeune puisse donner satisfaction à l'employeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, si jamais l'employeur fait des maltraitances ou il y a des droits des jeunes qui n'est pas respecté par l'employeur, là, il peut recourir au Don Bosco Madagascar pour essayer d'appuyer ou faire des plaidoiries qu'il y a tel ou tel droit qui n'est pas respecté et on va faire l'arrangement ou la négociation avec les employeurs. Via Don Bosco, c'est une ONG belge qui travaille ici à Madagascar depuis 2006, si je ne me trompe pas. Ici à Madagascar, on travaille avec 7 centres de formation professionnelle qui appartiennent à 2 réseaux. Donc il y a le réseau des Salésiens de Don Bosco et il y a aussi le réseau des Sœurs de Don Bosco, FMA. À Mahajanga, le réseau salésien a aussi ouvert un centre de formation professionnelle, majoritairement pour des jeunes filles, qui peuvent y suivre des cours et des ateliers de couture, coiffure, cuisine et restauration. Ici, on fait tout d'abord la théorie, et puis le professeur explique tout, et ensuite, on fait la pratique. Par exemple, on a fait la dernière fois la génoise à propos du gâteau. On a fait avec la crème, avec cette formation. J'aimerais avoir au début une petite gargote et ensuite, et ça évoluera, ça s'améliorera jusqu'à un grand restaurant. Une autre équipe d'élèves en cuisine et restauration se prépare à accueillir et à servir des invités dans la salle de restaurant de l'école. En 3 fois, on va vous préparer salade de fruits de mer. Et le deuxième entrée, c'est l'entrée chaud, crêpe, meunière. Et le plat, on poulet au coco avec champignons de Paris. Et pour le dessert, c'est le bavarois. Un autre atelier rencontre beaucoup de succès auprès des élèves du centre, la coiffure. On vient ici par jour, une fois par jour, juste la matinée. Dans le traitement, ce qui est très, très facile pour moi, c'est d'appliquer les bains, les soins, c'est comme ça. Mais ce qui est vraiment un peu difficile, c'est de faire le coiffage, pour moi. Ici, on éduque des gens bien, savoir-faire, savoir-vivre, savoir l'esprit, tout ça. Les jeunes apprécient beaucoup cette forme d'éducation parce que ce n'est pas seulement une formation intellectuelle, mais l'accompagnement dans leur formation et dans leur vie future. Je ne connaissais pas du tout Don Bosco avant de venir à Madagascar. Je l'avais entendu via le scoutisme. J'ai fait beaucoup de scoutisme pendant des années et le Baden-Powell s'est beaucoup inspiré de cette philosophie d'enseignement qui passe par l'animation, qui passe par la formation humaine, qui passe par le développement de la personne plus que uniquement des compétences professionnelles. Et effectivement, c'est quelque chose que je retrouve
ici qui est assez extraordinaire, surtout en comparaison du réseau d'éducation à Madagascar qui est beaucoup axé encore sur de la punition. C'est une forme de... C'est du cours très magistral où les élèves ont beaucoup de mal à s'exprimer, beaucoup de mal à prendre la parole. Et souvent, les élèves qui arrivent ont vécu dans ce système qui était assez strict. Et à Don Bosco, il suffit de parler quelques minutes avec les frères pour se rendre compte qu'on va essayer de discuter quand on sent qu'un élève, justement, est turbulent, qu'un élève a des problèmes en classe, plutôt que de lui mettre une mauvaise note ou de le punir. L'idée est toujours justement de le convoquer, de discuter avec l'élève. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est permis par des structures qui sont quand même beaucoup plus petites que ce qu'on peut avoir en dehors, qui font que forcément, on a un contact avec les élèves qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Tandis qu'en dehors, les écoles primaires ici, les classes peuvent être entre 50 et 70 personnes. À Ivato, près de la capitale, nous rencontrons une ancienne élève du centre Don Bosco qui a ouvert son propre salon de coiffure. Après l'obtention des diplômes, on peut ouvrir le salon. Mais ouvrir un salon, ce n'est pas du tout facile aussi. Parce qu'il faut avoir tout d'abord la maison, les accessoires, les produits et surtout les paperas. Il faut le démarche administratif pour ouvrir un salon. Lasa vidy tsikelikely ny fitaovana dia nanamboarana izao trano izao salon de coiffure izao. Alors je traduis elle a dit: je suis très contente de vous partager le parcours que j'ai fait pour avoir ce salon. En ce qui concerne la formation reçue chez les sœurs au centre de formation professionnelle, j'en suis très reconnaissante et que c'est très efficace. Et je peux dire que je ne suis pas arrivée à ce que je suis maintenant sans cette formation. Pour les problèmes financiers, j'ai dû affronter beaucoup de problèmes. J'ai suivi des stages, j'ai travaillé un peu et puis j'ai accumulé un peu d'argent petit à petit en aidant aussi mon mari pour construire ce que j'ai maintenant. Pendant la formation, elle était vraiment dynamique. Elle veut vraiment avoir son salon tank. Et c'est pour ça que j'ai dit aux filles qu'il faut, si on aime, on arrive toujours à faire. Voilà. Pour moi, tout d'abord, c'est l'éducation. Et je travaille beaucoup, beaucoup dans l'éducation. Quand je dis éducation, c'est éducation et pour les jeunes et pour les parents. Et voilà pourquoi j'appelle les parents chaque mois. Et chaque mois ici, c'est obligatoire, la réunion, la rencontre. Bon, alors là, je leur explique comment s'est passé le mois et qu'est-ce que nous programmons pour le mois à venir. Et j'insiste avec les parents, cette collaboration très étroite. Et chaque fois qu'il y a quelques problèmes avec les élèves, j'appelle les parents et je leur demande aussi, quand il y a des problèmes à la maison, de venir nous faire savoir. Comme ça, ça nous permet de comprendre plus le jeune et de l'aider à l'orienter. Après avoir visité les centres de formation de Mahajanga au nord de Madagascar,
nous rejoignons la capitale Antananarivo, au centre de l'île. Là, nous rendons visite à la famille de Séraphine, 16 ans. Les parents de Séraphine habitent une petite maison en terre de 12 mètres carrés, dans une vallée au pied de quartiers luxueux. Ils ont 4 enfants, mais accueillent aussi 5 cousins orphelins. Séraphine a la chance d'aller à l'école Don Bosco. Il est très reconnaissant de cette formation que sa fille reçoit chez les sœurs. Et alors, les parents s'aperçoivent de cette amélioration de niveau intellectuel de leur fille. Elle était toujours la première à chaque fois qu'on distribue les bulletins de notes. Elle a envoyé sa fille là au centre professionnel et c'est parce que c'est aussi gratuit, parce qu'elle espère que la fille, elle peut travailler après pour aider les parents, parce que les parents sont pauvres et ils vieillissent. Alors, dans leur vieillesse, qu'ils aient cette aide de la fille. Pour les gens de l'extérieur, c'est incroyable vivre la misère que nous vivons ici à Madagascar. Madagascar, de plus en plus, font de l'an à un autre an en pauvreté. Et on compare, par exemple, ce que nous avons vécu l'année passée, c'était différent déjà de cette année. Et cela entraîne tout de suite le déclin de la vie quotidienne des gens. Et on voit que de plus en plus, nous tombons dans cette grand trou de pauvreté. À mon temps, mes parents, par exemple, étaient aussi des gens pauvres. Mais quand même, si on était pauvres, on était 8 en famille, on n'a jamais manqué de quoi manger à la maison. Nous avons mangé à notre faim et nous avons pu tous les 8 faire les études que nous avons voulu, même si nous étions pauvres. Tandis que les gens de maintenant ne peuvent plus et n'en sortent plus. Et beaucoup de gens ne savent plus quoi faire. Pour aider les jeunes à trouver un emploi, les Salésiens ont, ici encore, innové en créant des bureaux d'emploi qui se veulent être des relais efficaces vers les entreprises. Alors, le bureau d'emploi sert à prospecter des collaborations avec des entreprises afin qu'il y ait une adéquation entre l'offre de formation par les centres de formation salésiens et le demande de travail que les entreprises ont selon leurs activités respectives. C'est le cas de l'entreprise Alpha, qui travaille à l'international sur des chantiers de haute technicité et qui recrute des stagiaires chez Don Bosco. C'est une politique définie par la direction générale. L'historique, c'est que le propriétaire, il a commencé de rien, donc il a voulu intégrer cette politique, cet état d'esprit-là, il voulait partager là, cette combativité. Donc on donne une chance aux gens de CIC en haut de partir au niveau zéro, si on peut le dire, et après arriver jusqu'au sommet. Il est sorti de Don Bosco en tant que spécialiste en ouvrage métallique. Une fois qu'il a intégré Alpha, on l'a mité dans le secteur alu. Il a fait un stage de 3 mois en aluminium, vu que chez Don Bosco, il n'y a pas de formation de menuiserie aluminium. Et jusque-là, il a pu évoluer et est devenu chef d'atelier aluminium. Il a fait plusieurs grandes réalisations, par exemple Nations Unies, la Tour Orange, Galaxy et le bâtiment de Sodiama. C'est surtout des murs rideaux. Dans l'exécution des murs rideaux, ce qu'on appelle les VEC, vitres extérieures collées, si on n'a pas les certifications, on n'aura pas réceptionné ce chantier-là. Alors il était tout fier de lui quand je lui ai posé la question « Quels sont les chantiers que tu as fait ?» Donc c'est lui qui a fait le collage de vitres. «
Via Don Bosco participe évidemment aux 17 objectifs de développement durable, 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par plus de 200 pays des Nations Unies, et plus particulièrement aux objectifs 4 et 5 qui sont centrés sur une éducation de qualité et sur l'égalité entre les sexes, puisque ces actions contribuent évidemment aussi bien aux garçons comme aux filles. Mais ces actions contribuent également à l'objectif numéro 8 en cherchant à offrir un travail décent à ces jeunes. Chez Via Don Bosco, nous pensons vraiment que le développement économique est un véritable moteur de développement dans les pays du Sud au profit des jeunes. Et c'est ainsi que Via Don Bosco a noué des partenariats avec le monde des entreprises, aussi bien dans le Sud que dans le Nord. En Belgique, par exemple, nous collaborons avec l'association Entrepreneurs pour Entrepreneurs, qui offre l'expertise d'entreprises belges, d'entrepreneurs belges, aux organisations du Sud. C'est vraiment dans cet esprit que, par exemple, aussi dans le Sud, des jeunes qui débutent eux-mêmes une entreprise font appel à des anciens élèves pour venir travailler chez eux. C'est le cas de Tuki, un ancien élève du centre d'Ivato, qui après avoir gagné un prix lors d'un concours, a créé sa propre micro-entreprise et qui a voulu engager des jeunes d'autres centres de Don Bosco pour transmettre ses compétences. Après avoir terminé la formation, ils avaient déjà des petites idées dans la tête pour la création des micro-entreprises. Mais par le biais du concours, il a pu avoir l'aide financière. Avec la situation qu'il a vécue dans sa famille avec 21 enfants, après avoir reçu les formations qu'il a eues chez Don Bosco, il a eu l'idée de se révolter, parce que la formation qu'il a eue, c'est un levier pour le développement. Et il veut partager l'avantage de cette formation pour que ce ne sera pas seulement lui qui va jouir de l'éducation qu'il a eue, mais il veut partager et d'éduquer les gens autour de lui, de se battre pour faire face à la difficulté de la vie qui existe à Madagascar actuellement. Je compte beaucoup sur la jeunesse de maintenant, qu'eux, ils peuvent changer le pays. Nous autres, nous sommes en train déjà de partir. Mais les jeunes, ils sont très intelligents, seulement qu'ils doivent trouver de bons accompagnateurs, de bons éducateurs, des gens qui aiment le pays. Et c'est ça qui est le problème. Mais je compte sur eux. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup dans l'éducation. Ces jeunes-là font changer le pays et ils commencent déjà. Ce soir, nos outils.